à jamais. Tu es un Dieu véritable. Parce que tu es là. Tu es un Dieu véritable. Merci. Tu t'es fait un homme pour pardonner le péché. Merci. Pour racheter l'homme. Merci. Pour guider l'homme dans les droits. Merci, Christ. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? On peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Et l'Éternel est bon, il nous a fait du bien d'être devant sa présence. Et c'est le moment de la parole. Donc Dieu nous a fait du bien par son amour. Il nous a protégés dès le début du mois jusqu'à aujourd'hui. C'est par son amour ainsi que par sa grâce qu'il nous a protégés. Et nous allons rapidement prendre nos Bibles pour lire la parole de Dieu. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 1, verset 11. C'est une lecture que nous connaissons. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Nous pouvons acclamer très fort pour la parole de Dieu. Nous allons reprendre nos places. Alléluia. C'est une lecture que nous connaissons, beaucoup de gens connaissent. Donc la Bible dit, or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous parlons des trois principes qui est très important dans la vie chrétienne. Ces principes-là sont distincts, sont séparés en réalité. Ce n'est pas des principes qui sont semblables, mais qui marchent de pair, qui est indivisible. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Donc c'est un principe dans la foi chrétienne. Il y a trois grands principes dans la foi chrétienne ou dans la vie chrétienne qui est distincte mais indivisible pour la vie d'un vrai chrétien. Alléluia. Donc quand nous parlons de la garantie, lorsqu'on accepte Jésus-Christ, c'est pour ces garanties-là. On sait qu'on le verra tel qu'il est. Et il va nous sauver. Et nous aurons la vie éternelle. Et autre chose que nous devons savoir, parmi ces trois choses, c'est la patience. La deuxième chose, c'est la persévérance. La troisième chose, c'est la foi. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Ça va être un peu complexe, parce que quand on parle des enseignements, vous allez se rendre compte, c'est un enseignement qui est destiné à plusieurs points. Pour vous aider, pour nous aider à comprendre. Quand on prêche, lorsque nous parlons de trois choses, la patience, la persévérance et la foi, vous devez se rendre compte, aujourd'hui nous allons parler précisément de la foi. Donc c'est-à-dire notre thème s'intitule la foi chrétienne active. Parce que la foi, quelqu'un peut avoir la foi aujourd'hui et le perdre demain. Alléluia. Quelqu'un peut être un homme de foi. Vous allez comprendre tout au long de ces messages et la perdre. Il y a même des gens qui priaient avant, aujourd'hui ne prient plus. Beaucoup de gens que vous voyez aujourd'hui en Europe, il y a aussi parmi eux des enfants de Dieu. Parmi eux aussi, il y a des pasteurs. Mais vous voyez des gens là comme des païens. Des gens, ils ont abandonné totalement la vie chrétienne. La foi active. Parce que la foi non active, cela veut dire quoi? C'est comme si j'ai un carte SIM, l'ICA, qui n'est pas activé. Ça sert à quoi? Vous comprenez ça? Donc il y a des gens aussi qui connaissent la parole de Dieu. Même si vous nous priez, vous allez parler avec ces gens-là, ils connaissent la parole de Dieu, mieux peut-être que toi, mais sa foi n'est plus active. Alléluia. La foi chrétienne active. Pourquoi la foi aussi fait partie de ces grands principes de la vie chrétienne? Parce que la foi, Jésus dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et Jésus dit encore, et quand le Fils, la Bible dit encore, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, c'est-à-dire, la foi, on peut l'avoir aujourd'hui même, on peut la perdre aussi. Il y avait des gens, vous allez entendre, il y avait des gens qui étaient des hommes de foi avant, mais aujourd'hui, ils ne sont plus, parce que tout simplement, ils ne sont plus dans la foi. Alléluia.
Et chaque chose, lorsque nous parlons même de Jésus, lorsque s'il faut parler de chacun de nous ici, chacun de nous a une origine. N'est-ce pas? Il y a des gens qui sont originaires du Congo, de l'Angola, de l'Afrique, de Tchad, de Centrafrique, du Mali. Et la foi aussi a son origine. La foi a son origine. Donc, c'est-à-dire l'origine de la foi. Parce que s'il faut parler de la foi, quand nous parlons de la foi chrétienne, il peut y arriver aussi quelqu'un qui ne prie pas. Mais lorsqu'il fait quelque chose, il a aussi la foi pour l'avoir. Je vais donner cet exemple-là plus. Pour nous qui sommes ici en Europe, vous allez voir, il y a des gens qui ont voyagé ici. Ils n'ont pas fait de prières. Il a bâti comme un homme. Il cherche l'argent, il a trouvé l'argent, il vient en Europe. Ce n'est pas par la foi. Mais il y a aussi des gens qui sont venus ici jusqu'en Europe à cause de leur foi. Alléluia. Donc vous comprenez, il y a quelque chose. Donc, permettez-moi, je vais aller un peu plus loin. Lorsque un féticheur est en train de faire aussi ses trucs, lui aussi il a la foi que ça va marcher. Parce que s'il n'a pas la foi, il a des doutes, ça peut ou ne pas marcher. Donc ça dit la foi, lorsque nous parlons de la vie chrétienne, toute personne peut avoir la foi, mais la foi peut avoir plusieurs origines. Comme je disais, notre premier point, l'origine de la foi. Nous allons comprendre cela selon Romains. L'origine de la foi. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Ici, la Bible précise, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de qui? Alléluia. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas avoir la foi dans la vie chrétienne sans pour autant écouter la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, la parole de Dieu dérange. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes ne supportent plus la parole de Dieu. Et lorsqu'il attend la parole de Dieu, lorsqu'on commence à parler de la parole de Dieu, ça lui dérange. Or, la foi dans la vie d'une personne ne peut pas venir. Ne peut pas venir si la personne n'a pas l'habitude d'écouter la parole de Dieu. Donc l'origine de la foi chrétienne, on ne peut que l'avoir la foi chrétienne lorsqu'on a l'habitude d'écouter la parole de Dieu. Cela ne veut pas dire que toute parole de Dieu qui va être enseignée va parler que de la parole de Dieu. Non, ça peut parler d'autres choses, mais ça peut ramener la foi en toi. Et vous allez se rendre compte, nous, dans la vie chrétienne, notre plus grand exemple, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et vous allez voir, quand Jésus a commencé sa mission, a commencé son travail ici-bas, Jésus enseignait des gens, parlait de la parole de Dieu, enseignait ses disciples, parlait de la parole de Dieu. Et celui qui entend la parole de Dieu, celui qui reçoit la parole de Dieu, sa vie va réellement changer. Nous allons voir un deuxième exemple toujours dans Jean. Comme je disais, il faut écrire parce que ça va être long. Comme là, nous parlons que de l'origine de la foi. Nous allons voir un deuxième exemple dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 19. Encore peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Alléluia. Là, c'est une action de la foi, de l'origine de la foi. Jésus est en train de parler. Encore un peu de temps, les mondes ne me verront plus. Mais vous qui avez la foi, vous me verrez et vous vivrez aussi. Alléluia. C'est pour cela que vous allez se rendre compte, l'origine de la foi pour les autres, Jésus a vécu ici-bas et Jésus est parti. Pour nous, par contre, Jésus vit à jamais. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais personne n'a vu Jésus. Mais nous savons que Christ vit en nous. Et apôtre Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. L'origine de la foi fait en sorte, celui qui reçoit la parole de Dieu, celui qui est enseigné par la parole de Dieu, comme je disais la fois dernière, vous pouvez venir ici, rien voir, mais nous ne savons, le monde ne le voit plus, mais nous le savons qu'il vit et il est toujours avec vous. Et là, Jésus était en train de parler, qu'encore un peu de temps, je vais partir, je vais mourir, les mondes ne me verront plus, mais vous plutôt, vous me verrez toujours et vous vivrez. Cela veut dire, la foi, l'origine de la foi,
nous permet à savoir, comme nous venons de lire dans la Hébreu chapitre 1er, c'est une démonstration des choses qu'on espère, celles qu'on ne voit pas. J'espère aller au ciel, mais je ne vois pas. Mais je dois avoir, pour aller au ciel, je dois avoir la foi. Les gens de ce monde peuvent nous prendre comme des fous, des folles, en disant qu'est-ce qu'ils parlent, qu'ils partent faire là-bas, qu'est-ce qu'ils vont foutre là-bas. Mais nous, nous savons, à cause de la foi, à cause de l'origine de la foi, nous ne pouvons en aucun cas abandonner Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième point, je vais essayer d'aller vite parce que les règles courent vite. La destination de la foi. La foi doit être destinée quelque part. On ne peut pas avoir la foi, j'ai seulement... C'est une expression aussi, les gens peuvent dire. Et la foi en Dieu. C'est fini. Et la foi en Dieu. À qui est destinée la foi? Parce qu'il y a des gens aussi qui ont la foi parce qu'ils sont des mormons. Il y a des gens qui ont la foi parce qu'ils sont des sectes ou un loge. Mais à qui est destinée la foi? Alléluia. Nous allons lire dans Jean chapitre 3, verset 36. Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alléluia. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. A la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas encore le Fils de Dieu n'aura pas la vie, mais plutôt la colère de Dieu demeure en lui. La foi est destinée. La foi sans destination. C'est comme si... Comment je peux expliquer ça? Je vais donner quelque chose à quelqu'un, mais il y a quelqu'un pour recevoir. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, la foi doit avoir une destination. Donc, c'est-à-dire, celui qui croit, je crois, j'ai la foi. Ma foi est destinée à Jésus. Étant donné que ma foi est destinée en Jésus, j'ai la vie. Mais celui qui ne croit pas en Jésus, même s'il parle de la foi, il va jeter dans le vide, mais ça ne va pas toucher Jésus. Alléluia. La destinée, la destination de la foi. Vous devez savoir, celui qui a le Fils de l'homme a la vie. La foi ne peut pas avoir quelqu'un qui représente, qui, comment je peux dire, un responsable, qui, comment, un Dieu dont la foi lui est destinée. Et notre, nous, notre Dieu, notre foi est destinée à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La foi doit avoir la destination. Nous allons voir un deuxième exemple dans toujours Jean. Jean chapitre 6, verset 44. Jean chapitre 6, le verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Et là, c'est Jésus qui parle. Nul, personne ne peut venir à moi si le Père l'attire. Personne. Le Père attire. J'ai la foi en Jésus. Je destine ma foi en Jésus. Et si je suis en Jésus, lui aussi, il va me résister au deuxième jour, dernier jour. La résurrection est destinée pour des gens qui ont la foi en Jésus. C'est pour cela que vous allez voir dans la précision de la parole, aucun autre nom ne nous a été donné ici-bas qui peut sauver si ce n'est le nom de Jésus. Aucun autre nom. La foi sans destinée. La foi peut être destinée. Il y a même des gens, je connais, permettez-moi de vous expliquer, des gens qui priaient qu'ils étaient des chrétiens. À cause de l'église est devenue très grande, partout à travers le monde. À un moment donné, les apôtres ont décidé que nous ne sommes plus des chrétiens. Ils ont abandonné le christianisme. Vous comprenez un peu ça? Donc, si vous abandonnez le christianisme, vous abandonnez totalement Jésus. Or, Jésus, lui, il est en train de parler. Nul, personne ne peut venir à moi si le Père la tue. Tant que le Père n'attire cette personne-là, la conversion, peuple de Dieu. Lorsque nous parlons de la foi, nous parlons de la conversion. La conversion, ce n'est pas forcer quelqu'un de se convertir. Même Jésus dit, personne ne peut venir à lui. Là, c'est Jésus qui parle. Il est plus supérieur à moi, plus supérieur à toi, plus supérieur aux pasteurs, plus supérieur aux apôtres. Il est supérieur. Il dit, personne.
personne ne peut venir à moi si le Père la tue. Et nous devons se rendre compte, notre foi doit destiner en Jésus. Cela veut dire, c'est un chemin, un processus qui se fait. C'est le Père qui attire la personne à comprendre et la foi en Dieu. Et lorsque la personne a la foi, la personne est attirée par Jésus-Christ. Vous comprenez quand je dis attirée? Pour accepter quelqu'un, il faut être attiré. Ah, les hommes comprennent très bien. Si une femme t'attire, tu vas s'approcher auprès de cette personne. Mais la première action, avant de s'approcher, d'être d'abord attiré. Si vous n'êtes pas attiré, vous n'allez pas approcher. Alléluia. La même chose aussi pour notre Dieu. Il commence par une chose, principe, qui est très simple. Si le Père attire d'abord, le Saint-Esprit te convainc à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là maintenant, Jésus-Christ maintenant va te prendre. Il dit, personne ne peut venir à lui si le Père l'attire. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des fois, quand on n'est pas enseigné, on veut forcer les gens sans pour autant comprendre que la foi a une destination. Beaucoup de gens prient, ils ont la foi au pasteur. Vous savez pourquoi? Parce que quand le pasteur, Dieu opère des miracles à travers un pasteur, les gens sont attirés par le pasteur. Il veut même toucher le pasteur pour avoir des miracles. Non. Même Jésus disait, lui, même lui, personne ne peut venir à lui si le Père au ciel l'attire. Alléluia. Troisième point, comment faire grandir sa foi? La foi doit grandir. La foi, vous comprenez la vie chrétienne? La vie chrétienne, c'est identique à la vie charnelle. Mais il y a une question, comment faire grandir sa foi? Comment ma foi doit grandir? Alléluia. Comment? C'est une question. Parce que la foi qui ne grandit pas, vous savez, vous devez se rendre compte. Jésus-Christ était avec ses disciples. Jésus-Christ était avec ses disciples en déplacement. Jésus avait faim, il a vu un figuier de loin. Et lorsqu'il a regardé ce figuier, il voulait manger à travers l'arbre de cette figuier. Et lorsqu'il s'approcha de cette figuier, il s'est rendu compte que le figuier n'avait que des fleurs, mais pas de fruits. Ce n'était pas les saisons. Et Jésus a maudit cet arbre-là jusqu'aux racines. Ils sont partis. La Bible me dit, dans leur retour, lorsqu'ils sont venus, ils ont trouvé le figuier. Les disciples ont vu le figuier sécher jusqu'aux racines. Mais les disciples ont posé la question, comment il peut faire jusqu'à ce niveau-là? Jésus les a dit, si vous aurez la foi comme un petit grain de sénévé, vous serez capable de déplacer des montagnes. Alléluia. Si Dieu veut que dans la vie chrétienne, que nous puissions recevoir des enseignements en ce qui concerne la foi active, si la foi n'est plus activée, nous allons avoir des doutes. Des doutes, cela veut dire quoi? Les doutes, parce que Dieu opère avec des hommes de foi. Dieu opère avec des femmes de foi. Si tu n'es pas un homme de foi, tu ne peux pas opérer ou travailler avec Dieu. Et si nous avons reçu la foi, un petit foi qui commence, notre foi aussi doit grandir. Quelqu'un peut me dire amen. Ta foi doit grandir. Cela veut dire, maman Kelly, prenons l'exemple. Ricardo aujourd'hui marche. Si jusqu'aujourd'hui il était bébé, comment vous allez sentir? Hein? Si aujourd'hui Ricardo toujours bébé, tu n'es pas avec moi, maman. Ah, Ricardo même refuse. Non, il n'est pas bébé. Vous comprenez un peu ces réalités-là. C'est la même chose avec la foi. Quand on attend la parole de Dieu, quand on écoute la parole de Dieu, étant donné que la foi vient de ce qu'on attend, lorsqu'on attend la parole de Dieu, notre foi aussi doit augmenter. Parce que celui qui a la foi, celui dont sa foi augmente, il enlève des doutes dans certaines réalités. Vous savez, comme vous êtes là, moi je peux vous parler à ce qui concerne la puissance de Dieu. Je peux vous démontrer la puissance de Dieu. Vous serez le premier qui va me traiter de féticheur. Vous savez pourquoi? Si vous n'avez pas la foi, tout va être étonnant. Vous savez, il y a des fois, Dieu nous donne une autre direction de la parole. Mais si tu comprends mieux la parole de Dieu, si Dieu n'utilise pas Jean-Félix, Dieu peut t'utiliser. Quelqu'un peut me dire amen. Junior, Dieu peut t'utiliser. C'est pour cela que la Bible parle de diversité de dons. Les dons s'opèrent avec dans la vie des gens qui ont la foi. Si vous n'avez pas la foi, si vous avez le peu de foi, vous pouvez faire grandir votre foi. Selon, nous allons lire
Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Imaginez que ce monde doit être détruit. Mais Dieu parle à sa langage en disant que ce monde passe. Mais celui qui demeure à l'éternel vivra éternellement. Vous comprenez que le langage de l'éternel est compliqué. Le langage de l'éternel, le langage des hommes de foi n'est pas identique aux hommes de ce monde. Pour les hommes de ce monde, la mort c'est la fin. Pour un enfant de Dieu, la mort ce n'est qu'un passage pour aller rencontrer son Dieu. Pour des gens, si je suis pauvre, je resterai pauvre. Pour un enfant de Dieu, Dieu peut changer de pauvreté à la richesse. La foi, lorsque la foi commence à grandir dans votre vie, tu commences à développer votre foi. Ce qui est impossible, le monde doit passer, la convoitise existe, mais ta vie peut changer à cause de l'éternel. Dieu est capable de changer. Mais il faut développer ta foi. Et vous devez savoir comment faire grandir ta foi. Vous devez savoir qu'il y a aussi des moyens de le faire. Ah, parce que tout le monde va vouloir. Je veux que ma foi croisse. Mais quels sont les moyens pour que ta foi grandisse? Tout le monde aime ça. Et Jésus a dit, si vous aurez un peu la foi comme un petit grain de sénévé, vous serez capable de déplacer des montagnes. Dieu te parle de l'enseignement. Que ta foi soit active dans ta vie chrétienne pour que tu sois capable de déplacer des montagnes. Les obstacles qui se mettent devant toi parce que tu doutes, parce que tu n'as pas la foi. Si tu as la foi, tu es capable de déplacer des montagnes. Il y a des gens qui n'ont plus, si nous avons pris la foi, nous allons dire, nous allons plus travailler, nous allons abandonner. Mais des hommes de foi, des hommes qui ont de foi en Dieu n'abandonnent pas. Même en plein désert, il reste fidèle à Dieu. Même s'il ne voit rien, il reste fidèle à Dieu. Même s'il sent, même si la maladie, même si son corps commence à lâcher et laisser sa personne, mais il peut en aucun cas lâcher Dieu. Parce qu'il sait, sans Dieu, je ne peux pas vaincre. Sans Dieu, je ne peux pas réussir. Or, avec Dieu, je ferai des exploits. Il y a des moyens. Il y a plusieurs versets pour celui qui aime l'enseignement. On peut lire dans Galates chapitre 5, verset 6. Nous allons lire dans Job. Job chapitre 2, verset 10. Avant de parler des moyens, nous allons comprendre parce qu'il y a des gens qui ont vécu avant nous, qui savaient qu'il fallait faire grandir leur foi dans des moments difficiles. Alléluia. Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi nous recevons de Dieu le bien ?» Et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alléluia. Beaucoup de gens, lorsque ta foi ne croise plus, tu es capable d'insulter Dieu. Vous n'allez pas m'insulter Dieu. Ah non, na conclusion. Je pense là, c'est fini. Cette église-là, ça ne va pas évoluer. C'est ça ta foi? Parce que la femme de Job disait, ta souffrance a déjà dépassé. Tu as trop souffert. Maintenant, il faut insulter Dieu et mourir. J'ai dit, peu importe le combat. Celui qui veut sa foi grandisse ne peut en aucun cas humilier le nom de l'Éternel. Il va garder son nom, le nom de l'Éternel au sommet. Malgré les souffrances, combien vont céder s'ils voient que tout est bloqué? Un homme de foi ne lâche pas. Et laisse-moi te dire, un homme de foi reçoit toujours des directions de la part de Dieu. Dieu ne peut pas te donner parce que Dieu, il y a des fois, il donne des schémas très compliqués. Si tu n'as pas la foi, tu vas abandonner. Je vais donner un exemple. Alléluia. Alléluia. On peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu. La femme de Job voulait une chose, que son mari puisse insulter l'Éternel. Peuple de Dieu, laissez les gens insulter Dieu. Celui que tu vois pauvre aujourd'hui, tu ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il sera s'il est un homme de foi. La Bible dit, à cet temps-là, Job avait tout perdu. L'humiliation qu'on peut subir aujourd'hui, ça ne sera pas éternel tant que tu es un homme de foi. Si tu sais développer ta foi, déjà votre intonné. Vous savez, à travers même tes mains, Dieu peut résister un mort pour prouver seulement qu'il est un Dieu puissant. Il ne te laissera pas échouer.
quand tant que tu gardes la fidélité avec Dieu, Batubazo finga toi tu persévères. Batubazo finga toi tu continues. La Bible dit, Job disait à sa femme, tu es une femme insensée. Dieu ne fait pas du mal. Pourquoi je dois insulter Dieu? S'il y a du bien, il fait que du bien. Si je suis pauvre, si je suis, je ne mange pas, Dieu fait que du bien. Le mal n'existe pas devant notre Dieu. Et s'il permet que tu traverses des moments difficiles, dis toujours que le mal n'existe pas devant l'Éternel. Oh, comment qu'on le lanzamba zo salomabe, nzamba salaka mabete. La Bible dit il est bon. Et la Bible dit son nom est amour. Étant donné que son nom est amour, Dieu te fera que du bien. Alléluia. Peu importe les circonstances dans la vie chrétienne, dans ta vie, si tu veux que ta foi soit active, tu puisses la développer, n'insulte jamais Dieu. Ne baisse pas les bras à cause des maladies. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont malades, la plupart des blancs nous disent ça. Si vous partez à l'hôpital, vous dites que, écoutez, Dieu existe, vous devez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il dit, écoute, messieurs, moi j'ai fait 25 ans avec maladie, où est Dieu? Alléluia. Est-ce que Dieu est égal à bonne santé? Alléluia. Il a tué des gens à Sodome et Gomorre, ils étaient malades. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Il a détruit l'époque de Noé, ils étaient malades. Dieu n'égale pas bonne santé. Moi j'ai vu un homme, il n'a pas de pieds, il n'a pas de mains, mais il est joyeux. Il dit que l'Éternel même, il glorifie Dieu parce que ses parents l'ont accordé la vie. Un enfant de Dieu n'abandonne pas. Ne sois pas des gens insensés qui vont insulter. N'insulte pas Dieu. Dieu, la Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Ce qu'il t'arrive, c'est la volonté de Dieu. Étant donné que c'est la volonté de Dieu, développe ta foi dans les difficultés. Dis comme je traverse des moments difficiles, je dois développer ma foi. Le jour où tu verras un Goliath, tu vas le terrasser à cause de ta foi. Alléluia. Les moyens pour garder ta foi. Méditer la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on médite Facebook plus que la parole de Dieu. On médite WhatsApp plus que la parole de Dieu. On ne peut que développer. Parce que nous venons de lire la foi, l'origine de la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Peuple de Dieu, likambo na yokate na koteate. Vous ne comprenez pas? Likambo na yebiongo na Bible te na koteakate. Ce n'est pas dit parce qu'on connaît. C'est faux. Mais parce que quand on s'attache avec Dieu, on mérite la parole de Dieu. Dieu peut te donner la richesse de la de sa parole. Alléluia. Parce que là, l'une des secrets, comme nous parlons de Josué chapitre 1 verset 8, Dieu a dit lorsqu'il a donné la responsabilité à Josué en disant que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Médite les jours et les nuits, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Peuple de Dieu, un jour papa né au berger, né, on nous prêchait la parole de Dieu. Il a parlé d'un verset biblique ici. Ça m'a édifié. Vous savez pourquoi ça m'a édifié? Parce qu'il a lu la parole de Dieu. Si vous lisez la parole de Dieu, vous aussi vous pouvez prêcher la parole de Dieu. Non, et comprenez-moi très bien. Quand on parlait de la méditation de la parole de Dieu, si quelque chose que tu n'as jamais mangé, est-ce que tu peux vomir ça? Hein? Tu as mangé du foufsemoule là-bas, tu commences à vomir du riz ici. Ça peut se faire. Donc ça dit, ce que tu as consommé, c'est celle-là aussi tu es capable. Méditation de la parole de Dieu, c'est négligé aujourd'hui. Mais c'est l'une des moyens de faire développer la foi. Développer, faire grandir ta foi. Alléluia. Deuxième point, donc deuxième paragraphe, parmi les moyens, c'est-à-dire la vie de prière. Et Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. La Bible dit, priez sans cesse. Alléluia. Prier sans cesse. La vie des prières. Vous savez, aujourd'hui en Europe, prier, c'est dire. Hein? Dieu, merci pour ta grâce. Merci. Tu vas faire comme le président de la Mère Terre. Tu sais c'est quoi il disait là, et c'est fini. C'est quelle prière ça? La vie des prières. Parce que Jésus, notre Seigneur et Sauveur, il était un homme de prière. Alléluia. Troisième paragraphe. La communion fraternelle. Ah, la communion fraternelle. Alléluia. Nous n'allons pas lire. Cela est mentionné dans Psaume chapitre 133,
verset 1er. Psaume 133, on va voir quand même, on va comprendre quand même. Psaume 133, le verset 133, verset 1er. Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Continuez le deuxième. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur le montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Vous comprenez, vous croyez que la vie pour l'éternité, ça va venir chez toi? C'est le principe de la parole de Dieu. Il est doux et agréable que le frère demeure ensemble. Mon frère, je suis dans la joie de te voir ici. Parce qu'on peut se rencontrer en cours de route. Ah, frère Denis, santé Denis. C'est là où l'Éternel déverse la bénédiction. La communion fraternelle. Et même Jésus, ce que la Bible dit, Jésus a fait de même avec ses disciples. Il voulait toujours être entouré avec ses disciples. Il marchait avec eux. Il vivait avec eux. Il était en communion. Et lorsque même la Bible dit, avant sa mort, il a organisé une fête en disant, chaque fois, faites ça à mémoire de moi. Parce qu'ils étaient en communion. Ils partageaient un repas ensemble. Ils mangeaient ensemble. C'est là où l'Éternel déverse sa bénédiction. Et là, la Bible dit, c'est comme une huile. Et lorsqu'on vient, la communion fraternelle nous aide à grandir. Cela veut dire quoi? Je vais vous donner un mon témoignage. Moi, j'étais pas, on ne m'a pas prêché la parole de Dieu. Cela veut dire quoi? J'ai été visité. C'était ma conversion. Maintenant, quand je prends maintenant la vie chrétienne, je commence comme ça, je ne sais pas où aller. Vous comprenez un peu ça? Je ne sais pas. Je n'ai jamais été à l'église. Je n'ai pas fréquenté des églises. J'étais catholique. Pouf! Une nuit comme ça, tout a changé le matin. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque on est avec des gens qui partent quelque part, c'est les premières personnes que tu dois suivre. Alléluia. Vous devez se rendre ça dans la vie de Jésus. Jésus-Christ, des gens qui ont commencé le ministère de Jésus-Christ, c'était des gens que Jésus connaissait. Et vous allez se rendre compte, entre eux aussi, c'était des frères. Alléluia. Vous allez voir, l'autre là est frère avec l'autre. L'autre là est frère avec comme ça. L'autre là est frère comme ça. Et même Jésus, quand il partait, et quand par Marie, lorsqu'elle partait voir Marthe, elle partait voir Marthe parce qu'ils avaient des liens de familiaux. Alléluia. C'est là où l'action de l'Esprit s'est opérée. Des enfants ont bougé dans leur ventre après leur salutation. Donc, c'est-à-dire, nous devons savoir, la communion fraternelle est très importante. Et tu peux être mal orienté aussi. Quand je ne savais pas, moi je ne savais rien. On m'a amené dans une église qu'on baptisait des enfants. Moi, je ne sais rien. Moi, je viens à l'église. Ils ne savaient même pas l'action ou le Saint-Esprit de Dieu. Je ne savais rien. Mais lorsque j'ai commencé à fréquenter d'autres personnes qui étaient dans la foi, quand j'apprenais à chanter, c'est là que j'ai compris. Les gens maintenant commençaient à me parler. Ce n'est pas vraiment des prédications, mais ils m'aidaient aussi à savoir dans la foi chrétienne, vraiment, des gens qui baptisent des enfants, ce n'est pas bien. Oh, pourquoi ce n'est pas bien? Il m'explique là, le baptême, il faut que ce soit par immersion. Et il commençait à me dire, oh non, dans telle église, comme ça. Je comprends un peu des choses. C'est ce qui a fait qu'il fasse une évolution dans la foi. Alléluia. Et l'évolution, ce n'est pas mauvais. Si tu te soignes chez un médecin et que ça ne marche pas, tu as le droit de changer notre médecin. Quelqu'un peut me dire amen. Et j'ai changé. Et quand j'ai changé, mais là maintenant, j'ai commencé maintenant à comprendre la parole de Dieu. Je commence maintenant à prendre la parole de Dieu. Je commence maintenant, parce que nous, on était là, quand le pasteur prêchait, on ne savait pas des enseignements. Le pasteur avait son fils qui mangeait, comment on appelle ça, un écolo à foufou, avec sa gomme de Massango. Le pasteur vient, ah, mon fils est tel, il mange trop. Il finit un gros foufou comme ça. Nous, ah, ok. On ne connaissait pas que le vrai évangile existe. Alléluia. La Bible dit, il envoya la parole et la parole nous a guéris. La communion fraternelle peut t'aider à travers des personnes que tu peux rencontrer, de t'aider aussi dans certaines choses de Dieu. Parce que dans la vie, on ne connaît pas tout. Alléluia. On ne connaît pas tout. Et quand on apprend, c'est comme ça, un enfant demain peut prêcher la parole de Dieu. C'est comme ça, une femme peut être une servante de Dieu. Parce que j'ai donné l'exemple de Ricardo.
Comme Ricardo, aujourd'hui, on peut l'envoyer. Fais ça. Et il fait ça parce qu'il a grandi. Voyez l'enfant qui est derrière, qui nous a joué le clavier. Parce qu'il a grandi, il peut jouer. Aujourd'hui, même son rapport avec son père change. Parce qu'ils ont certaines complicités que son père fait, lui aussi il fait. Parce que l'enfant a grandi. Alléluia. C'est pour cela que des fois dans l'église, ça dérange des gens. Lorsque quelqu'un s'intéresse trop à la parole, il s'attache au pasteur. D'autres personnes commencent à dire, ah lui là, il est allé ici. Non, parce qu'il s'intéresse. Et lorsqu'on s'intéresse à certaines choses, lorsqu'il y a la communion, vous allez aussi apprendre certaines choses que vous ne comprenez pas. Alléluia. La foi, ou soit, je vais y parler, dernier point, c'est les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi, nous allons lire ça dans Jacques. Jacques chapitre 2, verset 27. Jacques chapitre 2, verset 27. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ouais, c'est bon, parce qu'il y a des versions qui sont différentes. Et Dieu te bénisse. Comme le corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres, c'est aussi comme une corps morte. La foi, celui qui a la foi, doit faire exercer sa foi. Il y a même des gens, imaginez, je vous dis, allez prier pour des malades. Comment vous allez réagir? Je parle seulement, je ne fais pas un choix. Mais je vous dis seulement, va prier pour telle personne. Comment vous allez réagir? Parce que nous, quand on n'exerce pas la foi, tu vois ta personne. C'est comme si c'est toi qui vas aller là-bas pour guérir la personne. Non, l'homme ne guérit pas. Mais c'est la foi qui est en toi, en Jésus-Christ, va guérir la personne qui est malade. Alléluia. La foi, ce n'est pas seulement pour des pasteurs. La foi, ce n'est pas seulement tout enfant de Dieu. Nous parlons la foi active dans la vie chrétienne. Donc, tout enfant de Dieu, si sa foi est active, peut prier pour un malade et voir la guérison. Et c'est pour cela que la Bible nous explique. Comme un corps sans la vie, c'est un corps mort. La vie chrétienne aussi, sans la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Or, lorsque nous parlons des œuvres de la foi, nous devons savoir, quand nous parlons de la foi, chaque chose a des bénéfices. C'est notre dernier point, les bénéfices de la foi. Mais pour les œuvres de la foi, vous pouvez mentionner, vous pouvez lire à la maison, Psaume chapitre 27, chapitre 127, verset D. Pour ceux qui sont en train d'écrire, vous pouvez méditer ça. Les œuvres de la foi. Dernier point, ou cinquième point, bénéfice de la foi. Bénéfice de la foi, il y a plusieurs bénéfices. J'aimerais d'abord donner des versets. Vous pouvez voir ça dans Habakkuk, chapitre 2, verset 4, bénéfice de la foi. Dans Luc, chapitre 5, verset 20. Dans Matthieu, chapitre 9, verset 22. Dans Luc, chapitre 5, Luc chapitre 17, verset 5, pardon. Je répète encore, Habakkuk, chapitre 2, verset 4, Luc chapitre 5, verset 20, Matthieu chapitre 9, verset 22, et Luc chapitre 17, verset 5, c'est ce que nous allons lire, Luc chapitre 17, verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Sixième verset. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et ils vous obéiraient. Alléluia. Ce qui est intéressant, on demande, augmente-nous. Vous devez prier pour votre foi parce que la Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce que trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous devez savoir trois choses qui sont très importantes dans la vie chrétienne. La patience, la persévérance et la foi. On a parlé de la persévérance la fois dernière. Aujourd'hui, on a parlé de la foi active. Et il nous reste la patience. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu t'aide à grandir au nom de Jésus. Amen. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu.